Salut tout le monde, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, alors je vous avais parlé d'un Lego haul. Alors, donc on a ceci, donc c'est des achats à Leclerc. Donc d'abord on a celui-ci, donc c'est un set Lego classique. Voilà, qui est plutôt pas mal à mon goût. Donc c'est des briques de construction. Alors x2 parce que c'est toujours mieux. On a 4 petits sets Lego City. On a d'abord celui-là. Donc celui-là, c'est un Lego City de police. Et donc dedans, qu'est-ce qui est bien? C'est cette pièce de tronc qui est pas mal. On a 4 personnages avec 2 bandits et 2 policiers. On a une sorte de petit quad. Et puis on a un arbre qui cache les lagos d'or. Et cette pièce de ruche qui est vraiment pas mal. Et puis la casquette de la policière avec les cheveux là qui sont plutôt pas mal. Voilà, donc j'aime bien ce set. Je suis assez satisfait. Ceci, c'est un petit set aussi que j'apprécie particulièrement. Donc ce qui est bien dedans, c'est qu'on a donc cette araignée. C'est une araignée phosphorescente. Donc ça, c'est vraiment... c'est pas mal, hein, j'aime beaucoup. Et puis dedans, on a une sorte de pépite d'or. Voilà, une pièce que je ne possédais pas jusqu'ici. Je trouve pas mal. Donc voilà, un petit terrain minier. Moi, je trouve ce set très sympa. Voilà. On va continuer donc avec celui-ci. Donc celui-ci, toujours à Sat City. Hein, donc ça se passe donc cette fois-ci dans les marécages. Non, dans la jungle. Je pense que c'est plutôt dans la jungle. Donc, on a ici un crocodile. Voilà, un très beau crocodile que j'aime bien. Un serpent vert très clair. Et puis quelques belles pièces de végétation. Des algues, etc. Et puis on a donc 3 personnages. Celui-ci, je trouve, voilà, assez marrant. Et puis on a ce qui semblerait être une sorte de cachette au trésor. Je ne sais pas trop exactement. Puis voilà, un petit engin marin. Ensuite, on a celle-ci qui est plutôt pas mal et que je verrai bien sur ma plage. Donc on a un surfeur, donc avec sa planche de surf, et un requin qui l'attaque. Et puis là, on a l'équipe de secouristes. Donc voilà, 3 personnages au total, plus le requin. Voilà des planches de surf, un petit véhicule et une sorte de petite tourelle. Ensuite, celui-ci, c'est un Lego, voilà, qui me tapait un peu dans l'œil. C'est un camping-car, voilà, camping-car Lego, que je trouve vraiment pas mal. Je ne sais pas encore où vraiment je vais le placer, mais je vais essayer de faire un petit espace forêt ou un endroit où il pourrait camper. On va terminer, mesdames et messieurs, avec le dernier set qui est le calendrier de l'Avent Lego City. Là, alors, on va faire un peu de place. Alors, le calendrier de l'Avent Lego City, donc il y a 24 cases, 24 surprises dans toutes les cases. Donc, on a tout type d'objets divers. Vous voyez qu'on a donc des personnages comme le Père Noël, ou voilà d'autres personnages, et on a des sortes de mini jouets à chaque fois, d'un sapin. Et j'aime beaucoup aussi le chien des neiges. Voilà. Donc, ça se monte comme ça, vous voyez. Une sorte de petite scène. Donc voilà, on a ce calendrier qui revient tous les ans, comme le calendrier Star Wars, ainsi que le calendrier Lego Friends. Bon, bah écoutez, ça me semble pas mal, hein, tous ces petits sets. Je pense que je vais bien m'amuser à les construire. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis on va se retrouver donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, j'espère, mais j'espère vraiment que ma commande va bientôt arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo, dire si vous avez apprécié, voilà, ou si certains sets vous font envie. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je me retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!